monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très très excitée de faire cette vidéo avec vous parce que je vais essayer une technique que j'ai vue vraiment qui circule beaucoup beaucoup sur YouTube à ces temps-ci et je me suis dit pourquoi pas vraiment faire le premier essai avec vous et en direct. C'est sûr que vous l'avez déjà vu ce type de vidéo pour le hydro-dipping. C'est vraiment, on l'appelle aussi peinture par immersion. C'est vraiment une technique qu'on a vue, ça fait une je pense une dizaine d'années dans le domaine des automobiles. C'est au moment où on va prendre vraiment des bombes aérosols de peinture qu'on va mélanger dans l'eau et on trempe vraiment l'objet qu'on veut. Je pense que ça fonctionne sur tout ce qui est métal, bois. Là, on va l'essayer sur des espadrilles. Et c'est ça, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah c'est sûr, je vais l'essayer et je vais, on va voir ça ensemble si ça fonctionne. Je ne vous cacherai pas, moi j'ai fait juste un petit test avec une bouteille d'eau que j'avais et ça fonctionne très très bien. Là on va voir parce que je voulais vraiment peinturer mes espadrilles, là ça donne un beau look pour l'été. Et que ce qu'on a besoin, la première chose, c'est des gants parce que ça va coller dans nos mains quand on va tremper tout ça là dans l'eau. Ensuite, des bombes aérosols de peinture de votre choix, les couleurs que vous voulez. Après ça, c'est sûr, on a besoin de scotch pour vraiment cacher les endroits qu'on veut pas que la peinture imprime dessus. Et on va regarder le tout ensemble. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous montrer là, le petit test que j'ai fait avec ma petite avec la bouteille. Regardez. Je sais que c'est pas trop trop réussi, mais c'était un test. Je trouve que ça donne un. C'est un beau résultat quand même. Alors, je suis de retour. Ce que j'ai fait, je vais prendre mes espadrilles. J'ai enlevé les lacets et je vais commencer à cacher les endroits où je veux pas que la peinture. Pas avoir de peinture. Vous allez voir, là, on prend vraiment un scotch comme ça. Et on va commencer les endroits qu'on veut pas où on veut pas avoir de peinture. J'ai commencé à cacher quand même les trois bandes ici. La première chose. Alors ensuite, on va prendre un bac comme ça et on va le remplir d'eau jusque là, au complet à peu près. On y va. Bon, l'eau est prête. On va. Moi, je vais. J'ai décidé de prendre le gris et le rose. Et on va commencer à mélanger ça dans l'eau. Here we go!
cette fois, je vais faire un test avec la bouteille là. Je vais prendre du noir et du rouge. On y va. Et voilà, alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement, je suis très très contente des résultats pour une première fois, je suis très satisfaite, j'espère que vous allez l'essayer aussi chez vous. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'espère que vous allez liker, de s'abonner à ma chaîne et de mon côté, je vous dis à très bientôt.